Hey, c'est Star, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien, en tout cas moi ça va. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier parce que vraiment, j'ai 80 abonnés, donc c'est énorme pour moi. Je suis bientôt 100 abonnés, sur Instagram j'en ai 166, j'ai vu une fois. Là j'ai peut-être monté d'abonnés, on va arrondir 70. 170 abonnés. J'en ai plus sur Instagram, c'est chelou mais bon. Et parce que aussi j'ai commencé Instagram avant YouTube, un peu logique, un peu, je suis bête. Et j'ai commencé TikTok après YouTube. Et j'en ai plus sur TikTok que sur YouTube. Et donc j'en ai vers 120, je crois, ou 130, je sais plus. Ou non, 127 ou 128, hein, bientôt 130 quoi. Et quand j'ai fêté mes 100 abonnés, j'étais vraiment trop contente. Et bah, j'ai fait plein de pubs pour remercier ceux qui étaient abonnés à moi sur TikTok. Donc vraiment, c'est très trop sympa. Donc je vais bientôt faire ma vidéo là après. Parce que j'ai une vidéo à faire bien sûr. Vraiment, c'est trop sympa que vous faites. Voilà. Vraiment, merci, 80 abonnés. Pour moi, c'est énorme. J'aurais jamais pensé. J'aurais même pas 5 abonnés. Moi, j'aurais dit que mes amis qui me suivent. Et même pas d'inconnus. Enfin, je me comprends. Parce que je connais pas, quoi. Mais maintenant, enfin, c'est vraiment waouh pour moi. Vraiment, merci. Bon, là, je fais vraiment vraiment un paragraphe énorme, voilà. Je vais peut-être arrêter de parler, ça fait 2 minutes que je parle là. Et vraiment, merci, je pourrais vous parler ça de 1 heure, dans une heure, enfin, j'ai plus les mots. Vraiment, merci. Ça fait que quelques mois, j'ai TikTok depuis décembre, j'ai TikTok, je crois, novembre. Ça m'a fait peur le ciel parce que c'est pas vraiment très beau. Donc je crois que depuis novembre j'ai TikTok et j'ai YouTube depuis octobre. Le 20 octobre précisément. TikTok je sais plus. Et Instagram vers 2017 ou 2018. Enfin bref, ça fait longtemps. Début 2018 ou 2017 déjà Instagram. Enfin bref, la vidéo du jour c'est que mardi je vais à la piscine. J'espère qu'il va pas faire ce temps. Enfin, ça me dérange pas puisque j'ai pas vraiment envie d'y aller. Parce qu'on fait des cours, parce que je vais avec l'école. J'espère. Donc je vais vous dire ce que j'emmène. Donc en fait ça va être, on est deux classes du CIM. Ça va être 1 heure ma classe et 1 heure l'autre classe. Je vais pas prononcer les noms sinon quand même. Voilà, ça va être 1 heure ma classe et 1 heure l'autre classe. Donc 1 heure où on fait rien. Ma mère m'a dit peut-être on va aller à... peut-être vous allez au toboggan si ouvert ou à la piscine, du temps à attendre. Donc j'en sais rien. Alors je vais prendre un petit livre pour lire bien sûr. Donc déjà mon sac, je vais le prendre et on se retrouve juste après. J'ai soif tellement que je parle. Voilà mon sac, donc c'est comme mon sac de sport, mais vous savez pas, donc voilà. Il y a déjà un truc. Donc il y a déjà un labello que je vais garder. Je suis pas douée moi. Un labello. Ça sent la fraise, ça sent trop. J'ai plus rien d'autre. Donc je vais le laisser. Donc moi j'aime pas avoir un bonnet de bain. Donc non j'en aurai pas. Donc il y a un... Il y a une poche qui s'ouvre grande. C'est bien ça. Donc il y a tout ça d'espace. Et j'en ai un plus petit. Qui s'ouvre comme ça. Donc bah j'aurai mon maillot de bain. Ah j'ai eu un snap. Voilà. J'aurai mon maillot de bain, bien sûr.
Donc, je répondais à un message, c'est pour ça que j'avais coupé. Un message d'un snap, voilà. Donc oui, mon sac, je suis bien douée. Moi, quand j'étais petite, je l'ai un peu colorié. Quand j'étais petite. J'avais quel âge j'avais, mais bon, voilà. Donc, je vais prendre des lunettes de soleil, comme ça, etc., 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 etc. Enfin, on se retrouve après. Resalut, donc, là, j'ai pas mon maillot de bain, parce qu'en fait, j'étais au camping, vous savez. Donc, je l'ai lavé, et du coup, là, il est que en train de sécher. Parce qu'il est, voilà, il est en train de sécher. Mais j'ai ma serviette parce que elle est déjà nettoyée. Donc ma serviette. Déjà qu'elle est petite, mais en fait, ça ne tient même pas. C'est une serviette. Serviette de bain. J'ai plein de taches là, mais ça part pas au lavage. C'est pas grave. Donc voilà, une serviette, c'est une serviette. Un peu logique, un peu logique même. Donc voilà. Donc on commence mardi, normalement lundi, mais on loupe, je suis contente. Donc après, une crème solaire. Donc voilà, une crème solaire avec un. Oui, elle marche, la crème solaire. Elle marche très bien. Sur les mains, oui. Donc voilà, une crème Nivea Sun Kids Protect et Play. Donc, elle est trop belle la boîte aussi, c'est bleu. Elle est trop belle. J'avais pas la même crème solaire pour le camping. Parce que j'ai acheté que du hier. Donc aussi ma boîte de lunettes. Donc un peu cassée. Qui est un peu bête. Donc voilà les lunettes. Et après pour mettre. Bah, je mets mes lunettes là pour bah, parce que je peux pas y aller de dans la nage. Enfin dans la piscine. Un peu logique. Je vais remettre dans leur boîte. Donc aussi un des mélanges, j'en mène qu'un des mélanges, j'emmène pas mon shampoing parce que voilà. Donc c'est un ultra doux Garnier. Voilà. Alors, depuis maintenant, j'achète plus ça. Depuis que j'ai découvert ça. Heureusement que j'ai arrêté. Parce que le dernier bout, toi. Je commence à être re-enrhumée. Encore une. Re-re-re-enrhumée, en fait, tout le temps, je suis enrhumée. H24. Voilà. Donc, juste avant la piscine. Génial. Comme j'ai dit à mon ami sur Snapchat. Donc après shampoing crème fondante ma mère elle m'a dit non mais tu peux prendre ça comme ça hein. Enfin tout seul quoi et un petit livre que je suis en train de lire Cœur Guimauve donc je suis chapitre 10 donc voilà je sais pas si vous connaissez dites-moi en commentaire si vous connaissez c'est Cœur Vanille, j'ai dit Cœur Guimauve. Enfin, voilà, c'est le tome 2. J'ai déjà lu le 1. Il est trop bien. Je trouve ça trop bien. Voilà. J'adore lire. Voilà. Mais voilà. Aujourd'hui, j'ai pas lu encore. Je sais pas si je vais lire ça ou pas. Je lis sous le temps.
Je lis surtout à l'école parce que après que t'as fini les devoirs, tu sais pas quoi faire. Tu lis. Voilà. Donc c'est sur les filles chocolat. Donc c'est pour les filles. Donc les garçons, c'est pas pour vous. Et c'est pour mon âge. Enfin, voilà. Donc voilà déjà ce que j'emmène. Mais il y a aussi, du coup, il y a aussi ce que je vous ai dit, mon maillot de bain, le plus important. Voilà. Et je crois que c'est tout. Et je pense pas que j'ai oublié, mais ma mère elle me dira si j'oublie quelque chose. Je vais ranger maintenant. Donc voilà. Mais elle prend toute la place, ma serviette. C'est bon, j'ai réussi. Là, je vais peut-être mettre mon shampoing, même ça. Ma crème solaire, elle va pas passer. Si elle passe, mais ça fait. Non! Comment j'ai le douche ici? Voilà, donc après. En fait, c'est lourd là. C'est lourd. Mettre ça. Ça va. Donc. Attendez. Donc, après ça, je mettrai mon maillot de bain. Et après, mes mains de crème. Mon livre, je mettrai en dessous ça. Attendez. Donc voilà, mon livre, je les ai mis là, donc là, et voilà. Donc voilà. Et après, tu fermes. Et ben, je veux pas dire, mais c'est lourd. Et franchement, pour peu d'affaires, j'espère que j'ai rien oublié. Ceux qui sont dans mon collège, enfin, dans ma classe, j'ai rien oublié. Parce que moi, je peux même oublier mon maillot de bain. Donc je vais peut-être pas le fermer parce que si j'oublie en vrai. Mais. Ça c'est vraiment problématique. Bah ça, la piscine m'a fait une vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez pu, espérez 50 ans et pouces abonnez-vous, c'est moi qui en fais, commentez et partagez à nous. Et soyez vous-même. Bisous.